Salut les Golfiteurs, bon juste pour vous dire avant de commencer le vlog que j'ai enfin réussi à créer les premiers goodies Golfiteurs. On commence par cette magnifique serviette essuie-club estampillée Golfiteur que je mets en vente pour 25€. Vous pourrez me la commander directement sur eBay avec le lien que je vous mets en description de la vidéo. Ou si vous voulez me régler par chèque, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire également. J'attends juste un petit mail de votre part à lesgolfiteurs@gmail.com. De toute façon, je vous le mets dans le lien de la description de la vidéo. Ce serait un énorme soutien de votre part si vous m'en prenez une parce que ça va me permettre d'upgrader mon matos de tournage et en plus ça va me motiver encore plus à vous proposer des contenus d'encore meilleure qualité. J'ai débuté l'aventure sur YouTube il y a maintenant presque un an jour pour jour et vous êtes maintenant plus de 2000 à suivre mes vidéos sur internet, alors vraiment ça me fait plaisir, alors juste un grand merci à vous tous. Bref, je vous embête pas plus que ça, on est parti pour la deuxième partie du vlog avec Arthur Adomon. Go! Ok, tuture, on est sur le retour là. Yes, donc trou numéro 10, trou tout en descente, là on voit pas le on voit pas ce qui se passe, on va voir ça en vue dronique. En fait, si vous voyez les deux boules rouges, ce sera le fairway en fait. Ok. Donc tout trou complètement droit en fait, il n'y a aucun danger. Ok, c'est quoi ça par 4 par 4 de 340 mètres. 340 mètres, ok, allez, let's go. Il veut jouer le bois 3, moi je joue un fer 4, hein, tranquille, poussé. Arthur qui assure. Pas besoin de problème, j'assure sur celui-ci. Allez, go. Allez, go, go, go. Ok, elle est parfaite milieu. Je vais driver en fait. Allez, un gros drive. On le connaît le mât, on le connaît. Putain, il va la déchausser mon gars, tu comprends même pas le bail. Elle va passer au-dessus des arbres, elle va faire un U-boat, on l'appelle. Alors là, je vais l'accélérer, on va voir ce que ça va donner. Peut-être une grosse merde. Elle est parfaite, elle est incroyable. Ouais, pas très bien touché, mais elle est là. Bon, heureusement, on prend la balle. 67 mètres complètement en descente. Ah, j'aime pas la config du trou là. Pas top. Hein. Jamais les pieds à plat dans ce golf, c'est impressionnant. Complet en descente. Allez. Ouais, je vois un 54. Hein. Allez. Oh, oh là là. Bah écoute. Oh là là, mais c'est horrible ce que je fais là. Moi, ça sera un 58. Je vais jouer milieu de green. Hein. Un peu un milieu de green par la droite. Un peu à droite. Comme ça. Un peu du drapeau. Même à fois. Avance. Ouh. Stop. Stop, stop, stop. Ah, elle est très compliquée cette approche. Ouais. Surtout quand on est près du drapeau. Plus on est près, plus c'est compliqué. Ok. Bon, ça break pas mal. Calculé, j'en ai un pote de 12 pas. Pour aller vers le trou. C'est un bon pote. Oh, j'ai été nul. Aïe aïe aïe. Ça n'a pas été bon du tout. Aïe aïe aïe. C'est parti là. Bon. Allez, ça fait le pas. Bon, petite présentation du trou, tuteur. Bon, petite présentation du trou. Donc déjà, il y a pas mal de personnes, on peut le constater. Mais non, en fait, plutôt un trou assez simple, 310 mètres. À l'entrée du green, un bunker qu'on voit au milieu là-bas qui protège bien le green pour les attaques. Oui, parce que c'est très fort. Juste jouer un bois 3 plein milieu, il te restera un petit coup. Voilà, ça restera un petit coup. 70 mètres, pas très compliqué. Allez, c'est parti. Allez, petit fer 4 milieu, fairway. On va laisser le tuteur attaquer au bois 3. Yep. Oh, elle est à droite encore. Il y a un petit ruisseau là-bas. Petit ruisseau. Allez, c'est pas grave. On reste sur le choix du bois 3. Donc petit bois 3 en draw. Hein. Elle est parfaite. Hein. Ouais, j'avais annoncé en draw, mais elle est en cut. C'est pas grave. Elle est en cut, mais elle est bien. Mais. Ça va. Si, si. 89,5 mètres au drapeau. Allez, on va essayer de pas gratter son coup cette fois-ci. Tourne. Vol. Tourne, vol, fais ce que tu peux. Prends un arbre. Prends un arbre. Bon, elle est sur le green à gauche, je pense. Ouais, elle est green. Green à gauche. Prends un arbre. Bon, bah, il est sur le green, hein, du coup, on va se permettre d'attaquer un peu plus le drapeau. Allez. Right down the middle.
89,5, c'est ça? Ouais. Donc si je récapitule bien, je la fais pitcher à 88,3 et elle roule 1 mètre 20. T'es parfait. Bac S. J'ai fait quoi? J'ai fait maths sup. Ouais, j'ai fait STMG, non je te mets. Tous fait STMG. Putain, j'ai fait STMG. STMG, dédicacé tous les STMG. Qui font du golf. Qui font du golf. Hashtag option mandala. Attends, je peux pas taper. Oh, elle est à droite. Si elle vole, elle peut voler. Elle peut prendre le petit bout. Oh. Bunker. Eh hey, bunker. Bon, on va prendre la mienne. Bon. Si tu es dans le baquet, moi je suis là. Hauteur de green. Hauteur de green. Hauteur de main. On a encore un putt de 13 mètres au moins pour rentrer le putt. Allez, on y croit, un petit birdie, on sait jamais. Petite ficelle. Oh, c'est complètement bas. Allez, ce sera un putt facile. Il n'y a plus qu'à rentrer. Et ben c'était un bon par. Donc alors le trou numéro 12, un par 3 en montée, comme ça tu peux voir. Ouais. Un bunker à droite et on se fait souvent voir parce que tu vois l'arbre de gauche là, l'arbre de gauche il est vachement en jeu en fait. Il suffit que tu le mettes un tout petit peu à gauche et tu prends l'arbre et tu peux vite dégager à gauche. Okay. Là, complètement... 155 en montée hein, c'est ça. Exactement, 155. Allez c'est parti. Pour moi ça sera fer 6. Enfin, je pense, hein. J'en sais rien. C'est la bonne canne ou pas? Bien sûr que c'est la bonne canne. La meilleure canne, c'est celle que tu choisis, mon gars. Il n'a pas tort. Oh là 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 là! Ah, elle était bien touchée. Allez, lucky! Ah, elle peut être là. Je pense qu'elle est là à gauche. Elle peut être là. Elle peut être là à gauche. Pour moi, ce sera un fer 8. Bien accéléré. Fer 8, purée. Là, tape à la balle. Ouf! Soquette! À droite. À droite. Au far right. Bon, on va essayer de retrouver l'une des deux balles. Hein. Non, elle est dans le bunker celle-là. Là, elle est dans le baquet. Bon, on va jouer la balle d'Arthur dans le bunker. Moi, j'étais un peu à gauche dans les châchis. Jouable, mais un peu compliqué. Je pense que le bunker, ça va être quand même le meilleur choix possible. Même si elle reste quand même assez compliquée. Elle est un peu chaude cette sortie de baquet. Hein. Bon, bah. Allez, on y croit. Let's go! Allez, pas mal. Speed, speed. Ah, dommage, ça a beaucoup. Allez, yes, speed, speed. Voilà. Bon, on va jouer la balle d'Arthur. Putt est pas donné. J'ai l'impression qu'on a un putt tout droit. Hein. Non, léger droit, droit gauche. Léger gauche droite. Hein. Léger gauche droite. Ah, quoi que. Hein. Moi, je le vois droit. Hein. Droite gauche. Tu sais quoi, tu la pètes tout droit et on verra bien ce que ça fait. Hein. Ben voilà. Oh, allez, oh facile, attends. Plein trou. Go. Il m'amène. Trou numéro 13. Alors trou numéro 13 par 5, assez franc aussi comme on peut dire. On a une très belle vue sur la forêt de Montmorency. On va pas se mentir déjà. Pas mal. Que dire, le que jeu, dire. C'est le jeu c'est partie gauche du fairway. Trou un peu en dogleg droit. Yeah. On a un bunker à droite, mais ce bunker il est plus. C'est bien qu'il soit là en fait, parce que comme ça nous permet d'arrêter les balles si elles vont à droite. Ok. Bon bah le jeu c'est tout droit quoi. C'est ça, voilà. Ok. Classique. Allez, sporty. Motep. Let's drive. Bon, du coup, moi ça sera un bois 3 milieu. Tranquille, sans force. Ouais, parfait. Monster shot. Bon, je l'ai accéléré, j'avoue. J'avoue, je l'ai accéléré. Il a dit tranquille, l'accéléré. Hein. Fusée. Ok, par 588 mètres. C'est pas très loin. 588 mètres, ouais. Il y a moyen de la poser dessus. Il y a moyen de la poser dessus. Hein. Ouais. Ça va être faire 4, je pense. 188 mètres, comme on a dit. Ça va être faire 4 pour moi. Oh, purée. Stop. Stop. Be lucky, please. Be lucky. À droite, encore une fois. Ah. En jeu, mais à droite. 188 mètres, drapeau. Ok, je vais prendre faire 6. Faire 6 à 188 mètres.
Ah, écoutez, hein, quand on tape fort, non, j'ai. Excusez-moi, j'ai pris le melon là depuis pas très longtemps. Vous comprenez, attention. Oh, elle est lourde. Oh, elle est lourde. Vol. Vol. Allez. Oh, magnifique shot. Il est chaud. Allez, oh. Les mecs, eagle putt. Eagle putt, hein, avec un shot magnifique de tuture à 188 mètres fer 6 qu'il la pose à 4 mètres, quoi. Allez, faut que l'eagle y rentre. On y croit. Ah là, j'y crois, mec. Oh. Le birdie est donné. J'ai plus rien à perdre. Oh non, la virgule d'eagle. Allez, tant pis. Ah, dommage. C'est un très beau birdie quand même sur ce trou. On va pas se mentir. Bien joué, gros. Donc, ça, c'est un par 3 de 140 combien ? 144, pas du tout de mètres. Donc, c'est un par 3, le trou signature de Domon. Tout le monde reste généralement court. Donc, là, il faut bien penser à être long du trou. Comment te dire, faut l'attaquer un peu par la droite en léger draw, parce qu'en fait tu vois tout le green des gueules à gauche. Ok. Et just do it. Allez, faire 7 pour ma part. Pas mal ça. Reviens encore. Allez. Encore. Bon. Bah, je crois qu'elle est sur le green. Putain, la balle bleue. La balle bleue, on la voit pas très bien. Ouais, c'est pas grave. Je pense qu'elle est sur le green. Ma est plein milieu de green. Moi, je vais attaquer le drapeau directement au fer 9. Fer 9, quoi. Mais c'est... On joue pas au même jeu déjà, au niveau des distances. Ah, mec, il faut. Ça coche, super. J'avais dit que tu tires la tracosse. Ça se trouve, je vais mettre un cerceau à gauche et on va jamais le retrouver, on va prendre ta balle. Ouh, avance. Ah. Come on. Non. Je sais pas. Ah, elle a pris trop de spin à gauche. Trop de spin dommage. À gauche. Ok. Mais elle était à hauteur, c'est dommage. Bon les amis, petit choix délicat. Yes. Alors, on a la balle de tuture qui est là. Il a un putt en montée. Il est un peu plus long que moi. Un peu plus long au niveau du putt, hein, je veux dire. Du putt, bien sûr, mais. Au niveau du putt, et moi j'ai un putt plus proche, mais on est en descente. Ça c'est le petit souci. Après, je pense que. Non, c'est vraiment en descente là avec ma balle ou quoi? Ah, ça se prend quand même. Hein. Ça se prend. Hein, à je mon pense, avis, hein. Ouais. À mon avis, on va prendre la balle de main. Ouais, elle est pas tant en descente que ça. C'est pas horrible. Bon, on va prendre la balle de bas. On prend la balle. C'est bien parti. Sûr. Let's go. Ouais. What? Je crois qu'on s'est gouré dans la pente, les gars. Come on, bro. Come on, bro. Aïe. Bon. Et non, on restera moins 5. Du coup, il faut qu'on fasse 4 birdies sur les 4 prochains trous. Allez, les gars, on est bon. On est sur la bonne lancée, là. Allez, c'est parti. Là. C'est toujours beau de finir en beauté. Alors, trou numéro 15, par 4, pas assez compliqué quand même, mais beaucoup moins qu'avant. À l'époque, il y avait beaucoup plus d'arbres et on pouvait beaucoup moins couper. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Du coup, c'est un par 4 de 375 mètres, il me semble. Ouais. Léger double et droite. Donc, le jeu, c'est de jouer en plein milieu de forêt, ah, partie droite, là, niveau, juste à droite des... juste à gauche des arbres. Ok, il n'y a plus qu'un. Drive and draw, il m'a dit. Allez, drive and draw. Il n'y a plus qu'un. Tombe. Un peu long ça, non? Allez, presse. Je sais pas, on voit, c'est une balle bleue, hein, pas. Avec ça, on sait jamais. Bah, elle est pas mal, hein, normalement. Normalement, elle devrait être là, y a aucun problème. Elle devrait être milieu fairway, mais peut-être un peu longue. Allez, léger. Un tout petit peu trop à gauche, ouais, malheureusement. Le droit a été pris un tout petit peu trop. Ouais. C'est pas grave. Maintenant, je joue un boîtron un peu plus par la droite, moi. Bon, elle est parfaite. Tu m'en encore un peu, là. Elle est longue, hein. Bon, ok. Allez, c'est parti. Ouais. Enfin, 137 mètres au drapeau. Bon, ce sera faire vite pour ma part. Allez, on y croit. Oh la. Avec le roulet, faut y aller. Eh, regardez. Ça, et là. C'est de la pelouse arrachée. Tu vois la grappe de Jordan Spieth au 12 d'Augustin? Et ben c'est la même. Ouais, c'est la même, ouais. Je fais une Jordan Spieth, c'est pas mal. On peut dire que tu es pro.
Je suis Jordan Spieth. Jordan est rentré en moi. Ah, ma foi, elle est parfaite, non? Bon, parfait shot hein, de tuture. Yep. Bon, un peu trop de spin malheureusement. Mais... ouais, il a fait un gros trou. Un gros trou juste là, qu'il est en train de passer. Elle est revenue complètement ici la balle. Bon, birdie putt de 8 mètres. Come on. Oh, reste pas tout. Allez, allez. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, c'est bon. Un petit par. Par 3 de 150 mètres. Combien? 156 mètres. 156 ouais. Mètres drapeau. Trou assez franc comme on peut voir. Bon, pas faut, juste chose, toucher, hein. Faut juste toucher le milieu du green et voilà, et après le putt restera simple. Ok, allez let's go. Bon, on sera faire 7 pour ma part. Hein. Ah, elle est pas mal. On a un petit peu à droite. Reste là, vol. Vol. Sois belle. Ah, à mon avis, elle doit être sur le green quand même. Peut-être sur le green, ouais. Elle doit être sur le green à mon avis celle-ci. Alors pour moi ça sera un fer 9 du coup. Allez fer 9. Un fer 9 accéléré. Elle va être pas mal celle-là non? Vol. Ça vole. Vol. Oui. Devrait être green normalement. Bon, tuture il est pas mal. Il est là. Ouais. Moi je suis un peu. On est un petit peu loin du trou quand même, mais bon. On est moi, sur le green, là. C'est l'essentiel. Bon on est un ça peu loin fait du un trou. Un putt pour birdie quand même. Donc le par est fait dans tous les cas. Il n'y a plus qu'à. Plus qu'à rentrer les potes. Exactement monsieur. Comme Jordan. Ouais, ouais, t'avais pas le choix, hein, j'ai fait de la merde. Allez! Given! Given! Et oui, monsieur. Trou numéro 17. Bon, trou numéro 17, trou assez long quand même, 480 mètres. Par 5, handicap 6. Le trou quand même est chauffable en 2, hein, faut pas se mentir. C'est juste. Si tu mets la bonne mise en jeu assez longue, franchement, y a aucun problème. L'attaque de green, c'est un green en dôme, donc y a quand même assez compliqué, mais bon. Ah, legal est toujours possible les gars. Tout est possible. En scramble, on peut même faire albatros. Et ça. T'as raison. Albatros, allez vas-y. On y croit. Oh non. Ah là là, il s'est. Il a tellement voulu en mettre moi. Tellement voulu en mettre. Tellement voulu en mettre. Allez, avec un peu de chance, il revient. Ah, elle est peut-être en jeu. Elle est peut-être en jeu. Pour moi les gars, ça sera un bois 3 tranquille. Pas comme au 13, pas cette fois-ci. On va la jouer tranquille. Il n'y a pas besoin de forcer. Allez, reste là. Tombe. Reste. Soit okay, une bonne balle. C'est une bonne balle. Yes. Elle lâche un peu, mais elle est là au moins. On n'est pas au top. Mais ça. Ah, excuse-moi, on a possibilité de. Bon, possibilité d'attaquer en tout cas. Hein. Ouais. Bah, moi j'assure, hein, faire 6. Hein. Je la pose et puis. Tu en vas attaquer. C'est ça. Parfait. Elle est parfaite. J'ai rien vu, mais. Allez. Ouais, pas à droite. Ouais, ça va. Bon, ça va. Elle est bien. Bonne. Donc bah moi j'ai du coup il a mis un bon coup donc moi je vais attaquer hein. Léger draw, fort léger. Wouh. Oh ma fat. Un magnifique de là. Ouh. Celle-là elle est green, je pense. Je pense qu'elle est sur le green celle-là. Oh, le shot. Bon, magnifique coup d'hybride de notre tuteur. Vu que j'ai assuré la balle, il a pu complètement attaquer le green. Et là, bah, eagle putt, hein, les gars. D'une dizaine de mètres. Reste pas court. Oh là 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 là. Oh là là, il n'a pas assuré le putt. Oh, j'ai pas du tout assuré. Je le voyais pas tant monter que ça. Comment toi? Pas donné hein. Après l'accent québécois tout est hein. Attends, mais enfin. Aïe aïe aïe. Oui. Bird nice eyes. Birdie. C'est bon. Allez. She's exactly what I want. Perfect. Alors, il fait nuit.
Alors, il fait nuit actuellement, il est 19h, je sais pas combien, 18h peut-être. 18h48. 18h48, c'est ça. Donc on est au trou numéro 18, 298 mètres. Le trou est intouchable, on va pas se mentir. Que dire? Donc pour ceux qui veulent ne pas attaquer, ben c'est un fer, tu joues un fer 6, fer 5, fer 5, fer 6. Pour ceux qui veulent se mettre un peu plus loin, tu joues un bois 3. Le but c'est de toucher le fer, ouais, c'est plus important. Ok, bon, allez c'est parti. Let's do it. Moi ça sera assuré faire 5, hein, là j'en mets un peu partout. Je vais essayer d'en mettre une sur le fairway, ce serait pas mal. Et on va laisser le tuteur attaquer, hein. Allez petit fair 5. Oh là, elle est à gauche encore. Bon, elle est sur le fairway. Ah écoute, tombe. Tombe. Ah voilà, un fairway. Bon, elle sera pas, ce sera pas le meilleur angle, mais... On est sur le fairway. Mais on restera sur le fairway. Ouais, parfait. Allez. Oula. Elle est perfecto. Perfecto, signore, mi amore de la passione de la vie. 68 mètres. Bravo. 68. Quoi? 58. Ah, 54. Alors là, il faudrait la placer à gauche, mais pas à gauche. Écoute, moi, je vais essayer de faire un coup de golf, déjà, ce serait pas mal. Mec, hashtag mec vénère. Pardon. Je suis pas venu ici pour ce que... Allez, gros. Ah, intéressant. Tombe. Be right, Molly. Ouh, ça va être pas mal, ça, je pense. Ouh, putain, bon coup de main. Ah, bon coup, enfin. Ah, allez. Enfin. Ah. Enfin, un gros coup. Heureusement qu'on était au 18 parce que je me demandais quand c'est que ça allait arriver quand même. Non, c'est trop simple. Bon, du coup, comme je voulais dire tout à l'heure avant que ma me coupe et me m'engueule, il faut jouer à gauche mais pas trop à gauche parce qu'en fait après t'as le green. Tu joues le drapeau. Ouais. Et voilà, je joue le drapeau exactement. Maï, parfait. T'as vu mon divot où il est ou pas? Putain, il est à gauche ou pas? Il est plein milieu de terrain. Come on, bro. Come on. Il est pourri. It's gonna be long. It's gonna be long, buddy. Bon, deux bonnes approches. Qu'est-ce qu'on fait, tu te jures? Ah bah écoute, là j'ai envie de te dire qu'on va prendre la tienne quand même, même si elle est plus loin. Quoique, je sais pas. Ah, je sais pas, hein. Je crois qu'on a équidistance. Exactement. Le problème, c'est que nos deux balles ont vraiment un pote complètement en descente. On est potes en descente sur tous les deux, là. Non, on va prendre la mienne. Ouais, je pense que c'est la tienne, là, la mienne. On va prendre la mienne parce que celle-là, en fait, elle est complètement là, en descente. Elle est trop descente. Ouais. Bon, on va y aller. Oh, talent! Là, putain, là, t'es grave à gauche. Comme si elle était là. Là? Là. Là? Et là, et comme si le trou était là. T'es sérieux, gros? Friendly. Je te rigole pas. Le trou est là. Et tu lui apportes micro pénis. Mais t'es sérieux? Je rigole pas. Oh putain. Micro, vraiment micro. Ah ouais, ok. Non, non, tout doux, j'ai dit. Oh purée, ouais! Oh godness! Ah, my! Wow! Ah, je suis choqué! Tu t'y attendais pas celle-là, hein? Ah, je m'y attendais tellement pas! Bon, bah, du coup, hein, il faut que j'assure là! Ah, mais je l'ai pété micro là pourtant! Ah non, là t'as mis un missile, frérot! T'as mis un vrai missile! J'ai l'impression de l'avoir pété, mais. Ah, ouais, d'accord! Allez! Oh non, oh non! Oh non, et en plus elle file! Oh là, elle finit, mais derrière! Ah putain! Regarde où est-ce qu'elle finit ta balle! Oh là là! Pourtant elle est pas pétée forte celle-là non plus. Ah, ce trou il est diable. Il est limite de l'interdiction. Oh, il est chaud le pet, hein. Je le voyais pas du tout comme ça. Allez, fond de trou. Oh non! Oh, mais non! Oh là là! Mais redescend! Mais c'est quoi ça? Bon bah du coup, grosse pression sur les épaules. Ah ouais, là... Il faut la rentrer, absolument. Oui. Yes. Bien pété ma gueule. Bien joué. Ah, le putt du 18 était diabolique. Ah, il était très compliqué. Bon, heureusement, on a réussi à faire part. Hein. On a fini quand même à moins 6 sur le parcours. On c'est quand même un... C'est record du parcours, les gars, j'ai envie de dire. Ouais, record du parcours à deux. Hein. C'est vrai, il faut pas le mentir, faut pas se mentir. N'hésitez pas à lâcher un gros grip bleu. Ça y est, il a lâché. Il voulait le dire depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Dicky, un petit mot de fin aussi. C'était super cool. Franchement... T'as pour un novice du golf, c'était beau top. À voir. Bon bah nickel, super. Bon bah j'espère que vous avez pris du plaisir en tout cas visionner la vidéo. Et je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao les gars. Ciao.